Enfin, mes amis, moi c'est Martine, je suis sur la prod, toute cramée, je roule plein de galoches, ouais, et plus encore, c'est une affinité. Alors c'est pour vous, ouais, le topo, les poteaux, alors c'est ce week-end, j'étais avec le petit bébert, c'est le troll, ouais, c'est une sorte de troll, c'est un petit nerveux. Alors je me suis dit, c'est peut-être un bon coup. Ah, ouais, c'est Martine. Alors je l'ai invité chez moi ce week-end. Mais alors, ouais, c'était très particulier, hein. Déjà, alors, il toque à la porte, il fait, je lui sèche. Je lui fais, ok, j'arrive. Alors bon, je dégrafe un peu mon peignoir. J'arrive, je vais l'ouvrir. Il était avec une petite sagaille. J'ai trouvé ça un petit peu sexuel au début. Mais à peine je l'ai ouvert, le petit troll, il part aux toilettes. Alors je me dis, il doit faire ses besoins. Peut-être qu'il était pressé. Il a peut-être traversé tout le boulevard Esquignol. Sans trouver de toilette publique. Non, c'est Martine. Non, alors, non, carrément, il allait aux toilettes. Il a dégrafé sa braguette. J'ai observé par un petit trou, il a pissé dans la baignoire. Il revient vers moi, je lui fais. J'ai observé par un petit trou, qu'est-ce que vous faisiez avec la baignoire? Et là, Lascar, il me fait. Je marque le territoire, 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 si tu veux, après tu pourras te baigner dedans. Alors là, j'étais mi-figue, mi-raisin, mi-chaude, mi-froide. Ouais, alors je lui fais, ah, vous marquez votre territoire. Et il fait, marquez le territoire, pipi. Alors je lui fais, vous êtes un, ah oui. Alors après, pour l'exciter un petit peu, ouais, je te répète le topo, moi c'est Martine. Alors j'ai voulu l'exciter un peu, j'enlève une de mes jarretelles, hein, une bonne jarretelle. Hein. Alors j'enlève complètement, et il la prend, il fait chuc, chuc, il la détend, il l'étend, il fait bon cordage. Il prend la truc, il commence à faire un nœud. J'ai pas bien compris, il a commencé à me la mettre autour de la jambe. Alors, ouais, j'ai bien aimé au début. Il l'a mis autour de l'autre jambe. Ouais, tu me suis. Et après, alors jusqu'à là, j'étais excité, hein, c'est Martine. Ah ouais, il m'avait attaché les deux jambes avec ma jarretelle, j'étais tout excité. Jusqu'à ce que le malin, il commence à me mettre par-dessus le balcon. Il a dit, c'est un piège à oiseaux. Comme ça, dans quelques minutes, je pourrais. Il a sa saga et il jetait il brochait les oiseaux qui s'approchaient de mon cul. Il avait mis une sorte de praline dans le cul. Ah non! Ah, il est tordu, le petit bébert, là, le troll. Ouais. Après, il m'a repris, il m'a dit, on a chopé assez d'oiseaux, ma belle. Ouais, j'étais tout un peu encore vibrante, hein, parce que je tremblais d'un côté et de l'autre, au bout de ma jarretelle. Et il m'a dit, maintenant on va te reposer, ma gueuse. Je t'ai préparé ton bain. En même temps, j'ai préparé mon terre-terre, terre-terre, terre-terre. Et à ce moment-là, alors j'ai cru comprendre que je devais aller, voilà, prendre soin de moi dans le bain de jus de pomme. Je lui ai fait, c'est optionnel. Il a fait, c'est une question. Ah non. Alors je suis allé me détendre dans la baignoire. Et là, il est arrivé. Il a dit, on ouvre toutes les fenêtres, ça va attirer un animal bizarre. Il a dit l'odeur de l'urine, tout ça, plus ton effet de chaleur, ça va. Il était là avec sa saga. C'est vrai qu'il y a un rat qui est entré. Il a fait brouk! Il l'a mangé crûment comme ça. Après, il est reparti, il a dit, j'espère que t'as kiffé, grognasse. Alors, c'était ça, ma partie de sexe du week-end, quoi. Alors, ouais, il est un peu particulier, le petit bébert.